Est-ce qu'on ne peut pas vivre de la chanson ici? Oh, nulle part dans le monde, je pense. C'est difficile de vivre pour un compositeur de vivre de ses chansons. Mais comment expliquez-vous qu'il y a toujours des jeunes que le métier tente? Il y a des sentiments qui s'expriment que par la chanson. Une bonne chanson peut faire sourire au bon moment. Ah, mais c'est comme ma chanson, Les Trottoirs. Avez-vous remarqué sur les trottoirs, les petits enfants s'amusent? Avez-vous remarqué sur les trottoirs, les grands pas et les usent? Avez-vous remarqué sur les trottoirs, les petits enfants jourbillent, tandis que leurs aînés, au front tout noir, passent et dégueulent leur bile. J'ai fait comme une carrière de chanteuse, parallèlement avec les spectacles que nous donnions au cabaret. À ce temps-là, on pouvait chanter parce que c'était pas important qu'on ait beaucoup de voix ou pas. Aujourd'hui, ça, je pense que ça passerait pas. À la guerre. Il y a eu le concours de la chanson canadienne où j'ai fait En veillant sur le perron. En veillant sur le perron. Et je l'ai enregistré à New York. C'est une très jolie chanson de Madame Camille Andrea. Ça a été un grand succès. Très grand succès, parce qu'à l'époque, on en a vendu, je pense, 100 000. C'était beaucoup, beaucoup. C'est encore beaucoup maintenant, de vendre 100 000 disques. C'est un gros succès.